Complémentaire, Madame la députée de Maisonneuve. Hochelaga. Y a-t-il une ministre de la Condition féminine au Conseil des ministres? Moins de places en CPE, augmentation des tarifs. Sous-financement des groupes communautaires pour les femmes victimes de violences immigrantes itinérantes. Coupe dans les programmes favorisant l'égalité, dans les mesures contre l'exploitation sexuelle, dans le système de santé. Retrait des sages-femmes des CI3S. Restriction de la procréation assistée. Et maintenant, restriction dans l'IVG et le planning. Quelle est la prochaine attaque envers les femmes que vous allez laisser passer, Madame la ministre? Madame la ministre responsable de la Condition féminine. Monsieur le Président, je tiens à rassurer ma collègue. Il y a une ministre responsable de la Condition féminine dans ce gouvernement. Et justement, c'est un gouvernement responsable qui veille à la bonne santé des finances publiques afin de pouvoir continuer de soutenir les mesures... S'il vous plaît. S'il vous plaît. La question a été bien posée. J'ai même avisé qu'elle était un peu élargie. Au moins, ayez la décence de bien écouter la réponse. Madame. Un gouvernement responsable, Monsieur le Président, c'est ce que nous sommes. Et équilibrer les finances publiques est nécessaire pour pouvoir maintenir le filet social qui est cher aux Québécois et aux Québécoises. Et Monsieur le Président, je prends mes responsabilités à cœur et la collègue n'a pas de leçon à me faire. Bravo, c'est...